C'est un point encourageant, hein. On ouvre notre compteur au classement de Ligue 1. On a mené contre une très très belle équipe rennaise qui a un très très gros potentiel, des gros moyens. Mais bon, il nous a manqué encore un petit truc pour garder la victoire. Sûrement ne pas avoir fait le break dans nos temps forts en milieu et en fin de première mi-temps sur des très très grosses occasions. C'est dommage, mais bon, je crois que sur l'ensemble du match, le nul est assez logique parce que cette équipe a eu beaucoup le ballon en deuxième mi-temps, a poussé, a marqué un très joli but. Donc voilà, on va s'appuyer là-dessus. Il y a quand même beaucoup de choses positives, je trouve. On a rivalisé avec un adversaire, je vous dis, avec un gros potentiel, de gros moyens. On a mené, on a longtemps cru à la victoire. Donc on va travailler sur ce qu'on peut encore améliorer. Le petit regret que j'ai, c'est qu'on a eu beaucoup de déchets techniques par rapport à ce qu'on est capable de faire. On est à 70% de passes réussies, alors que nos standards, c'est 80-82% de passes réussies. Donc là, on peut être meilleur. J'ai senti mon équipe tendue dans les 10 premières minutes. Après, on s'est libéré. Mais voilà, je trouve que c'est un point encourageant. Et de toute façon, chaque match va être une bataille pour nous. À partir du moment où on a vu que ça devenait difficile pour le gagner, on a su ne pas le perdre en faisant preuve de nos valeurs. Solidarité, abnégation, discipline collective. Et c'était important de démarrer aujourd'hui, d'ouvrir notre compteur. Contre, je vous dis, un adversaire qui a des moyens qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est pas mal. Avec un zeste de lucidité, d'efficacité, de sang-froid en plus, on aurait pu le gagner. Donc déjà sortir d'un match en se disant on peut avoir une petite pointe de regret, on a pu le gagner, c'est déjà un signe très encourageant.